capacité mentale et à découvrir les obligations et les responsabilités qui touchent les différences ethniques, religieuses et professionnelles. C'est pourquoi je suis très reconnaissant avec M. Pré-Bénédicte. Je suis très reconnaissant avec M. Pré-Bénédicte qui, malgré son état de santé, malgré son indisponibilité, a tenu à ce que cette cérémonie se tienne. Vraiment, merci à M. Pré-Bénédicte, parrain de la cérémonie. Je voudrais également dire merci à tous les représentants du CADI, cadre de réflexion et d'action pour le développement de l'Ouest. Merci, chers représentants du CADI, pour vous qui avez effectué le déplacement pour venir à Bonne-Voie. Grand merci. Je veux aussi dire merci à notre invité surprise. L'invité surprise, c'est papa docteur Ibrahim Lomo. Merci papa pour la surprise de ce soir. Et vraiment, tout Bonne-Voie, très reconnaissant pour ton geste. Merci papa. Je saisis également cette occasion pour reconnaître votre soutien et votre continué engagement. La jeunesse et de Bonne-Voie et moi-même, nous sommes reconnaissants envers tous nos parents. À l'heure actuelle, le canton de Bonne-Voie et même dans toutes les communautés de la Côte d'Ivoire, la vie associative participe à plus de 50% dans le développement. Et nous, les jeunes de Bonne-Voie, on veut faire partie de ce développement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous faisons appeler jeunesse et vie de Bonne-Voie pour apporter notre touche de développement, principalement d'abord pour Bonne-Voie et en général dans le canton Lyon-Polo. Nous avons parcouru toutes les communes d'Abidjan et toutes les localités environnantes. Aujourd'hui, nous sommes venus vous présenter, chers parents et chers invités, le résultat de nos efforts, le résultat de notre périple, le résultat de 2 ans d'explications, de communication, de réunions et de rencontres. Voici le résultat. Sans toutefois attendre, chers parents, voici l'équipe qui constitue le bureau exécutif de la jeunesse de Bonne-Voie. Nous avons connu des insuffisances, nous avons eu des frustrations. Mais quelqu'un m'a dit un jour, qui t'a envoyé? Je pense que personne ne m'a envoyé, mais je suis un enfant de Bonne-Voie. Mon rôle, c'est d'apporter ma touche au développement de Bonne-Voie. Nous avons également connu des peines par la perte de certains de nos frères et sœurs qui nous ont quittés dans ces derniers temps. Je vais parler de Zire Borel, je vais parler de Nézé Bonapé Eric, je vais parler de Blé Bonné Armandi Kabeza. Que Dieu se souvienne d'eux, parce que ces grands frères étaient toujours avec nous, jusqu'à ce que Dieu les rappelle. Pour moi, cela représente un honneur spécial d'être le premier responsable de la jeunesse de l'Union de ce soir. À cette occasion, je transmets les sincères félicitations à toute mon équipe, à nos parents de Bonne-Voie qui ont cru en nous. Aussi, je voulais remercier les enseignants de l'école primaire publique de Bonne-Voie qui ont décidé de soutenir nos petits frères malgré les difficultés qu'ils ont traversées. Que Dieu vous bénisse, chers enseignants. Je voulais également enfin dire merci aux parents d'élèves, merci aux parents et sa délégation, merci à papa docteur Ibrahim Lomo, merci aux invités, merci aux jeunes de Bonne-Voie. Que Dieu bénisse Bonne-Voie. Merci également à mes communs. Je vous remercie.